Actualité tragique également sur la route nationale 1. Cet après-midi, une voiture a fait une sortie de route au niveau du PK74 avant le croisement vers Petit-Saut. Une femme se trouve actuellement dans le coma. Elle avait été éjectée du véhicule. On compte 5 autres victimes, dont 2 enfants, qui sont légèrement blessés ou en état de choc. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.